si j'étais pas optimiste, je pense que je resterais chez moi. C'est vrai qu'il faut y croire, hein. Personne n'y croira à ma place, donc moi j'y crois. Mes craintes principales viennent du... Alors déjà de la côte, vraiment dégager la côte le plus vite possible, parce que la côte est toujours incertaine, donc il y a toujours ce risque des cargos pour lesquels je suis parfois invisible. Tactiquement parlant, c'est la traversée des Tuamotu, qui est un archipel assez dense, point de vue île, et sur lequel il va falloir que je fasse très très attention. Yes. Beaucoup de personnes m'envoient des messages quelques jours avant l'arrivée en me disant « ça y est, c'est fait, ça y est, tu arrives ». Tant que je n'ai pas posé le pied sur le ponton, je ne suis pas arrivée.